Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons finaliser la création de notre album photo que nous avons créé avec Freeprints Photobooks. J'ai ouvert l'application et j'ai retrouvé mon livre dans l'état où je l'ai laissé pour la dernière vidéo. Nous avons mis en forme les différentes pages. Nous avons pour le moment, par contre, pas mis en forme la couverture. Pour cela, je vais faire apparaître la couverture extérieure de mon livre. Donc j'ai juste fait glisser mon doigt sur l'écran pour faire apparaître cette couverture. Une fois que j'ai la couverture, vous pouvez cliquer sur le bouton plus qui se situe au milieu de cette couverture. Je retrouve mes photos. Donc je vais cliquer sur la photo qui va me servir de couverture. Il me propose plusieurs choix de mise en forme, il vous suffit de les faire défiler. Je vais choisir par exemple celle-ci. Il vous demande le texte que vous voulez faire apparaître. Alors je vais mettre test livre. Donc là c'est le texte. Pour la couverture, si je souhaite, je peux changer la police. Je vais pouvoir changer la couleur. Vous avez également possibilité de mettre un texte sur la tranche du livre. Donc, il m'a repris par défaut le titre que j'ai mis sur la couverture. Quand ça me convient, je fais le petit V qui se trouve sous mon compteur de temps. Ma couverture est créée. Je peux valider avec le petit V sous le compteur de temps. Si je souhaite, je peux faire défiler toutes les pages pour vérifier que la mise en page de mon livre me convient. Si c'est le cas, je peux cliquer sur « Commande » qui se trouve en haut à droite de votre écran. Il vous est demandé de créer un compte. Donc moi, je vais mettre un compte qui n'existe pas. Hein. Je vais l'appeler par exemple « Jean ». Bon, on me demande un mail. Donc je vais mettre une adresse poubelle. Un mot de passe. Et je peux faire connexion. Il vous demande quel type de livre vous souhaitez. Donc là, vous voyez que les 15 par 20 est gratuit et que vous avez le droit à un livre gratuit tous les mois. Vous n'aurez pas une couverture rigide, vous aurez une couverture comme un cahier. Et par contre, à la première commande, vous avez le droit à un livre avec une couverture rigide de 15 par 20. Donc si je clique sur ce format-là, je peux faire suivant en haut à droite. Je vais donner mon adresse. Donc adresse 3 rue de la Boucherie. Donc je remplis toutes les informations. Je n'ai pas besoin d'indiquer le numéro de téléphone. Comment vous nous avez connus? Donc, par exemple, on va mettre « Ami », « Livré à cette adresse ». Vous avez ensuite, donc, au niveau des tarifs, vous avez une couverture rigide qui est gratuite. Il vous faut un format. Au niveau des frais de livraison, si ce livre, vous en voulez deux exemplaires, vous allez pouvoir, donc si je fais OK, là vous voyez que vous aurez les frais de livraison plus 14,99 qui correspond au tarif du prix du livre. OK. Vous pouvez ajouter d'autres options. Si je fais commander, je vais avoir des frais de livraison de 7,99 €. Donc mon livre, je ne vais payer vraiment que les frais de livraison. Une fois que vous avez
cette étape-là, vous pouvez continuer. Et là, vous passez dans la phase de paiement. Soit vous pouvez payer via votre carte bancaire, donc il suffit de vous indiquer votre numéro de carte de crédit, sa date d'expiration et le code à trois chiffres qui se trouve au niveau de la signature. Ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez payer avec votre compte PayPal. Une fois que vous avez rentré ces informations, vous pourrez cliquer sur « Envoyer » et votre commande sera prise en compte. Je ne vais pas faire cette étape étant donné que c'est un livre d'exemple, mais après, cette étape n'est pas la plus compliquée. Nous en avons terminé pour la création de ces livres photos via l'application Freeprints Photobooks. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une nouvelle application pour vos appareils Android. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.